Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre à Divine in the Magic. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Marie-Aline, qui est là pour nous raconter son expérience, comment elle s'est connectée à sa mission de vie et qu'est-ce qu'elle veut donc partager avec nous aujourd'hui, tous ceux qui regardent ma vidéo, mes vidéos et qui va nous raconter son expérience et mon intérêt pour cette interview, c'est que ça puisse transmettre, donc, un, de vous introduire à son travail, mais deux, de vous encourager à prendre le pas et de suivre votre mission de vie. Donc, bonjour Marie-Aline. Bonjour Akasha, bonjour tout le monde. Et comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, un peu fatiguée, avec je sors déjà la nouvelle lune. Yes! On s'accroche tous à chaque lune, ouais. Enfant. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a mené à faire... Donc, explique-nous un peu quel est ton travail et qu'est-ce que tu offres et comment tu es arrivée à ça, comment tu es devenue coach. Ok. La version en course ou la version longue? Ben, comme tu veux. Ok. La version qui vient. Ok. Ben déjà, donc je suis aujourd'hui coach. Alors, je mets des guillemets parce que je trouve que ce terme est utilisé vraiment dans tous les sens et que parfois, ça veut un peu tout et rien dire. Et donc, j'ai fait une formation en coaching. Donc, je connais les techniques du coaching et tout ça. Mais j'utilise beaucoup mon coaching dans une optique de guérison, en fait. Donc, je remarquais avec mes clients que je les aide beaucoup à se libérer de blocages, à dépasser des paliers, tout ça, et à se reconnecter à leur cœur. Et donc voilà, je me suis appelée, mais c'est un peu moi qui me suis appelée comme ça, coach en alignement et guérisseuse de l'âme, dans le sens que j'aide. Enfin, voilà. Parce que je voulais que le terme guérisseur soit bien compris en ce qui me concernait, puisque je ne fais pas de soins où je mets les mains ou quoi. Donc c'est vraiment, j'aide les gens à coach en alignement, c'est vraiment les gens à se connecter à qui ils sont vraiment. Et guérisseuse de l'âme, c'est vraiment les aider à se reconnecter à leur cœur et à retirer les blocages. Et je travaille aussi beaucoup avec l'enfant intérieur et avec tous les blocages qui se sont formés dans cette période de la vie. Et c'est quelque chose qui marche vraiment bien, que j'aime vraiment bien faire au niveau de la guérison, d'aider les gens à se reconnecter à leurs émotions, à leurs enfants intérieurs, à se réconcilier avec leurs parents. Je fais pas mal de soins comme ça. Mais c'est l'autre qui me l'amène parce que c'est toujours la technique de coaching. Hein. Donc, c'est l'autre qui arrive à ça, c'est le coaché qui arrive à ça. Et puis, on arrive là-dessus et je remarque à chaque fois, on arrive là-dessus. Quoi. Mais c'est du coaching, donc c'est le coaché qui m'amène... qui m'amène ses questions, qui m'amène ses demandes, qui fait son cheminement, quoi. Yeah, yeah, super. Ah oui. Et toi, comment tu en es arrivée là pour... Qu'est-ce qui t'a fait envie de faire ce travail et où, comment ça a débouché? Je suis curieuse. Oui. Alors, moi, je suis née dans une petite famille de scientifiques. Okay. Et donc, du coup, quand j'ai terminé mes humanités... j'avais un peu la croyance que la seule truc qui marchait, c'était tout ce qui était études très rationnelles, scientifiques, ou alors je vais faire du droit et de la médecine. Enfin, je voyais vraiment que les trucs comme ça. Mais dans mon univers des possibles, le coaching, ça n'existait même pas, quoi. Yeah. J'ai commencé par m'inscrire à des études de physique parce que j'étais déjà la tête dans les étoiles. Donc, c'est un peu… en gros, je voulais devenir astrophysicienne et étudier les étoiles. Donc, wow. Ouais, j'avais déjà… Voilà, j'étais déjà bien perchée, mais du côté de la science, du coup. Sauf que je me suis confrontée au monde réel. J'ai pas tenu 3 mois. Je comprenais absolument rien. Et donc là, c'est la première fois que j'ai commencé à vraiment me poser la question de qui est-ce que j'étais. Et que je me suis un peu orientée vers des trucs plus sociaux. Et donc, du coup, j'ai fait des études en sociologie que j'ai adorées et qui, étonnamment, me sont hyper utiles aujourd'hui en tant que coach et en tant que guérisseuse. Mmh. Parce qu'en socio, on apprend super bien justement les mécanismes. Ils n'utilisent pas le terme croyance dans mes études, mais on apprend vraiment à quel point on est conditionné par notre environnement, par notre famille, par notre éducation. Et donc, ça, en fait, je n'étais pas fait exprès, enfin, si, sûrement, mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Ça m'a hyper fort aidé à comprendre les principes de croyance et aujourd'hui être coach, quoi. Enfin, voilà, pour la petite histoire. Sauf qu'à la fin de mes études, j'avais toujours les croyances de ma famille. Et je savais absolument pas quoi faire de mon diplôme. Et donc, du coup, j'ai refait exactement la même erreur que 5 années plus tôt. Et je me suis retrouvée de nouveau, je passe un peu les détails, j'ai refait des études en gestion.
Donc, du coup, ça me fait... j'avais deux masters. Et donc, je me suis retrouvée dans une boîte de consultance à vraiment me demander, mais qu'est-ce que je fous là? Et c'est justement là que la première fois, j'ai vraiment entendu mes guides ou une voix comme ça. Ça faisait 6 mois que j'étais là-bas, j'en pouvais plus, j'avais l'impression. Enfin, franchement, je serais restée encore 6 mois, je suis sûre que j'aurais fait un burn-out. Et je me sens, j'étais dans ma voiture et je venais de parler avec une amie et tout ça. Et au feu rouge, j'ai vraiment une voix qui m'est venue par la gauche, qui m'a dit « démissionne ». C'est la première fois que j'ai une voix comme ça et c'est la seule fois où ça a été aussi fort et aussi... ouais. Je sais pas si je peux dire intrinsèque, mais où là je pouvais être sûre que c'était pas une pensée ou quoi, que c'était vraiment une voix qui venait comme ça et qui venait oh, démissionne quoi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai. Il faut savoir qu'à l'époque j'étais en train de voir une psy, mais c'était pas une vraie psy en fait. Elle avait des diplômes de psy, mais c'était une vraie guérisseuse. Et à chaque fois que j'allais chez elle, je me disais waouh, moi j'ai trop envie de faire ça, mais je suis pas psy. Et donc, c'est grâce à elle qui m'a fait beaucoup travailler sur moi et qui m'a aussi montré justement ces trucs de guérison d'enfant intérieur et tout ça. Grâce à elle, puis après, du coup, quand j'ai démissionné, mais pour faire quoi? Donc, c'est là que j'ai commencé à faire des formations en développement personnel et tout ça et que j'en suis arrivée sur le coaching. Et puis, j'ai commencé donc de nouveau, la partie un peu rationnelle, un peu scientifique analytique. J'ai commencé par être coach en reconversion professionnelle, hein, avoir un truc bien carré. Hein. Sauf que je faisais beaucoup plus que ça en coaching évidemment parce que je suis comme je suis et je crois qu'il m'a fallu vraiment un an, plusieurs coachings avec une amie, donc on faisait des échanges qui étaient hyper connectés et plus la lecture du livre sur les familles d'âmes qui m'a bien aidée pour vraiment accepter que j'étais une guérisseuse et que j'avais cette énergie de guérison et qu'en coaching, même quand les gens étaient là, le simple fait qu'ils soient avec moi et de leur faire faire certains types de méditation, certains trucs, ben ça les aidait à guérir, quoi. Et ça, il m'a vraiment fallu au moins un an, après avoir connu le concept de guérisseur, pour vraiment accepter et dire, oui, je suis une guérisseuse, quoi. Ça, c'est facile. Yes. Voilà. Wow, c'est un parcours fantastique de toucher à tous ces mondes, tous ces différentes... avenue en fait qui mène à ce... le chat il est à fond et dis-moi comment tu gères quand tu as des clients, est-ce que des fois tu doutes que tu fais un bon travail ou comment tu gères ce genre de choses de comment tu t'occupes de toi entre tes clients? Comment je gère mes clients, oui, au début, je doutais énormément. Il a vraiment fallu... c'est normal de se lancer dans une activité comme ça et de douter au début, je pense, vraiment. Bien sûr. Oui. Et en séance, comme c'est du coaching, c'est vraiment l'autre qui amène son truc. Donc, il faut vraiment faire confiance au processus, faire confiance à ce que l'autre va amener. Ne surtout pas chercher à l'amener dans une direction ou avoir des idées préconçues, sinon ça ne va pas marcher. Donc, ça demande beaucoup de faire confiance et de lâcher prise sur le moment. Et quand je doute souvent, souvent je fais appel aux anges. Du coup, aujourd'hui, la légage pâteau, j'ai des mois. Et souvent, ça se débloque. Yes, j'adore. Et alors, comment je m'occupe de moi entre les séances je ne suis pas très... je suis passée par la période où on... on éveil spirituel et puis on nous dit qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut méditer tous les jours, qu'il ne faut pas manger ceci, qu'il ne faut pas manger cela. Donc, je suis un peu passée par cette période-là, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui. C'est clair. On est humain. Voilà, c'est ça. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était transvaser les croyances et les normes et le carré, entre guillemets, de la 3D vers le domaine spirituel, mais finalement c'était exactement la même chose quoi. Il faut trouver tel type de travail, il faut méditer tous les jours, il faut finir son assiette, il faut manger tel genre d'aliments. Enfin, finalement c'était la même chose quoi. Comment je m'occupe de moi? J'aime bien, j'ai la chance d'habiter près d'un parc, donc j'aime bien aller là, ça me fait beaucoup de bien. Quand j'ai trop d'émotions coincées, je fais de la danse intuitive ou je chante, ça m'aide beaucoup à débloquer les trucs. J'adore.
Quand je fais de la danse, à chaque fois, je pleure. Ben c'est, je sens juste que ça fouf, ça, c'est le. Je fais, bon, allez, là, je vais vider ma cuve à émotions. Hop. Yeah, je fais la même chose. Je danse et je pleure. Ouais, c'est même pas des musiques tristes, quoi. C'est juste. Voilà, c'est ça. C'est tu bouges l'énergie et tu te vois d'une autre façon. Ouais. Alors, j'ai de la chance d'avoir un super compagnon. Et donc, ça m'aide aussi beaucoup. Donc, Yes. Bah, pour celles qui écoutent et qui sont en questionnement, mon compagnon, ça se passe très bien, même comme je suis, et il n'est pas du tout branché comme moi, ange spirituel et tout ça. Enfin, c'est pas, pour moi, ce n'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, non, pas du ça se passe, voilà. Ça se passe très bien, et pourtant, il n'est pas du tout comme moi. Franchement, comme ça, il manque un peu. Du coup, qu'est-ce que tu aurais à dire pour quelqu'un genre qui est dans un travail comme ça, où il ne trouve pas son plaisir et son purpose, sa mission? Qu'est-ce que tu aurais à dire pour ces personnes-là qui ont du mal à prendre la décision de partir ou de changer ou de faire ce qu'ils aiment ou qui vont au travail tous les jours et qui détestent ça, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que déjà la mission de vie, c'est pas forcément le travail. Et que oui, le fait de découvrir sa mission de vie, ça aide à avoir une vie alignée, mais ta mission de vie, ça va pas être ton travail, quoi. Et que ça va être quelque chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus englobant. Et que si ça peut les rassurer, parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils ont envie de changer. Enfin, parce que j'étais coach en reconversion pendant 2 ans. C'est que ce qui bloque beaucoup, c'est oui, mais ça, enfin, ils ont aujourd'hui 1000 idées, ils n'arrivent pas à choisir. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent, à la fin du coaching, ils me disaient tous, ah oui, mais ça, en fait, je le savais déjà. Donc, en fait, non, mais vraiment, s'ils ont une idée et que c'est la même depuis 10 ans, c'est sûrement la bonne, quoi. Allez-y, quoi. Souvent, ils me disaient, bah oui, ça, je le savais déjà. Ça, en fait, oui, ça fait 6 ans que j'y pense. Oh, mais depuis tout petit, c'est ça que je veux faire. Sauf qu'en fait, ce qui bloque et ce qui fait qu'on croit, qu'on doute, c'est toutes les peurs. Et c'est toutes les peurs liées pour moi à 2 choses. C'est la croyance de la survie, donc que si je fais ce que j'aime, je vais pas vivre, parce qu'on nous conditionne à croire que pour gagner notre vie, on doit souffrir, donc on doit trouver un travail pourri. Et 2, la peur d'être qui on est, parce que vivre d'un travail qui nous plaît, vivre de notre mission de vie, c'est oser se montrer comme on est, et c'est pas facile, quoi. Comme je vais donner les exemples, à chaque fois, oui, j'avançais un peu, mais je choisissais quand même le truc le plus dans le cadre possible quand même, quoi. Oui, c'est si je vais un peu trop loin, est-ce qu'on va m'accepter? Donc, oui. Donc, je dirais ça, et je dirais aussi, pour vraiment lâcher prise, ta mission de vie, c'est pas ton travail, c'est un truc large, et tu peux changer 10 fois de travail et être 10 fois dans ta mission de vie, et tu peux même être dans le travail que tu n'aimes pas, et quand même être dans ta mission de vie, dans ton interaction avec tes collègues ou dans ta famille ou avec tes amis. Enfin, c'est juste partager un chouette moment avec des amis, tu peux déjà être dans ta mission de vie, quoi. C'est moins... Mais de nouveau, c'est pas comme la 3D avec des IFO, c'est plus large, c'est plus englobant, quoi. Yes, exact, tout à fait. Et quand tu... Imagine, tu as 29 ans, il me semble, c'est ça? Et ça. Tu fais ça depuis quel âge de coach? Tu as commencé à quel âge? J'ai commencé, donc ça fait vraiment 2 ans que je suis indépendante, que je fais le coaching, donc à 27. Et j'ai commencé ma formation à 26. Donc j'ai fait 2 ans de formation, mais la deuxième formation, je l'ai fait pendant ma première année de coaching. Ok. Donc, qu'est-ce que tu dirais aux femmes, surtout, mais les hommes aussi, mais les femmes qui ont à peu près, ouais, cet âge-là, 24, 25, 26, et qui sont, je sais pas, peut-être un peu coincées ou confuses de ce qu'ils doivent faire, ou quelle serait une technique ou quelque chose qu'ils peuvent faire pour se rassurer, en savoir que elles ont quelque chose d'important à délivrer dans le monde, ou elles ont quelque chose à, tu vois, faire qui peut enrichir non seulement leur vie, mais la vie de leurs proches.
Donc, parce que les femmes, souvent, on galère beaucoup avec cette confiance en soi, qu'on est à la hauteur. Mmh. Si quelqu'un fait déjà ce qu'on fait, on a tendance à s'empêcher de le faire. Donc, est-ce que tu aurais un conseil pour... Et puis même, ça peut, on peut avoir 50 ans et être dans la même situation, mais quel serait ton conseil? Tu veux dire les personnes qui savent déjà qu'elles veulent faire un métier d'aide ou quoi, mais qui doutent, c'est ça? Je pense, oui, ou même pas, peut-être quelqu'un qui sait juste qu'elle n'est pas, enfin, tu vois, que quelqu'un fait déjà ce que tu fais, tu vois. Tu es là, oh, mais moi, je ne peux pas faire ça, quelqu'un le fait déjà. Ou, tu vois, cette approche, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un comme ça? Premièrement, je dirais de faire une formation, parce que c'est normal, enfin, si tu as envie de faire un métier d'aide ou quoi, et que tu n'as pas été formé. C'est normal que tu doutes de toi, je veux dire, ça ne s'invente pas d'être coach ou d'être guérisseur. Et même si on peut avoir des dons, si on n'a pas une formation, on risque de tomber dans des pièges de sauveur ou de choses comme ça. Donc, première chose, j'irais de faire une bonne formation, d'oser vraiment investir sur une bonne formation, pas faire une formation de coach en ligne de 3 cours. Yeah, exact. 24 heures, coach. Parce que moi, ce qui m'a aidé beaucoup à prendre confiance en moi, ben, c'est pendant la formation, déjà de me rendre compte que ça me parlait énormément et puis de faire des exercices avec des gens et de me rendre compte que ça se passait bien, que j'étais plutôt douée pour ça. Donc, vraiment de tester, en fait, de se donner des moyens de tester, mais sans risque, quoi. Donc, là, ici, ben, comme c'était entre nous, ben, on se connaissait bien, on savait... Enfin, on ne risquait pas de plus blesser d'autres qu'autre chose puisqu'il était aussi dans la formation avec nous. Donc, je dirais déjà pour faire une formation. Et puis, pour le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui sont coachés. D'abord, ce qui me vient, là, c'est une phrase du livre sur les familles d'âmes de Marie-Lise Labonté. Il disait justement qu'il y avait beaucoup de guérisseurs sur Terre en ce moment. Mm-hmm. Et il disait, tiens, votre planète aurait-elle besoin d'aide? Le plus on est, le mieux on est, c'est clair. Et ce que je dirais, mais c'est pas facile. Enfin, moi, c'est un truc, je travaille encore dessus. C'est un truc, parfois, je me dis, ah, est-ce que je vais trouver ma place? Il y a plein de monde. Je dirais, il y a des livres, par exemple, de développement personnel qui vont hyper bien marcher, qui vont parler à plein de monde et puis pas à toi. Et toi, ça va pas du tout te parler, ça va pas du tout t'aider parce que tu as besoin d'autre chose. Et. Je veux dire, on est tous différents, on a tous un passé différent et on a tous besoin d'un psy ou d'un coach ou d'un guérisseur ou de quelqu'un de différent. Quoi. Je veux dire, par exemple, la psy qui m'a aidée, elle ne pourrait pas aider tout le monde. Quoi. Elle est branchée à une certaine énergie que... pour moi, tu as un certain niveau de vibration et tu aides les gens qui sont au même niveau, au niveau un tout petit peu en dessous, mais ceux au-dessus, tu ne vas pas les toucher. Ceux en dessous, ils ne vont rien comprendre. Quoi. Yeah, exact. Et toi, en tant que personne, tu vas peut-être avoir un enseignant qui ne va pas parler à quelqu'un. Genre, quelqu'un peut me voir et je ne vais pas du tout leur inspirer. Puis, ils peuvent voir un de mes clients et ça va les inspirer. Pareil, je suis un coach de business. Son enseignante, je ne connecte pas du tout. Elle m'inspire nullement. Mais elle m'inspire à fond et même si elle est en dessous d'elle, elle m'inspire beaucoup plus. Donc oui, c'est un très bon point. Donc faites votre travail. Ce que je remarque aussi, ça peut le rassurer, c'est que je me rends compte que les gens que j'attire, c'est vraiment mes miroirs, quoi. Donc c'est un truc que j'ai déjà bossé moi en fait. Donc ils sont attirés par ma vibration, c'est pas pour rien. Donc souvent, je sais les aider parce que justement, c'est des miroirs, quoi. Donc Yes, exactement. Et donc, ma dernière question avant que tu vas nous proposer ton petit exercice. Tu as fait les cours de channeling avec moi et tu es vraiment connectée à Dolores Cannon et à tous les guides intergalactiques des étoiles. Parle-moi de cette expérience de recevoir des messages de ces guides-là. Et dis peut-être si tu veux parler de quels sont tes guides et qu'est-ce qui t'apporte d'avoir cette connexion. Ok. Attends, ça va, la question très longue. Attends.
En même temps que me rendre compte que j'étais une guérisseuse, ce truc machin, bidule chouette, c'est aussi venu beaucoup l'information de que, entre guillemets, je ne suis pas d'ici. Même si je. Enfin, en vrai, c'est faux, mais enfin, voilà. Enfin, je veux dire. Au début, on se dit, ah oui, je viens pas de la Terre, je viens d'une autre galaxie, truc machin, puis on se rend compte qu'on vient tous du même endroit et que finalement, c'est pas très grave. Enfin, bref. Yeah. Mais bon, bref, je l'ai dit, j'ai commencé la physique parce que je voulais étudier les étoiles. Enfin, quand j'étais ado, j'ai fait des stages d'astronomie. Quel ado fait des stages d'astronomie? Ouais. Et donc, comment est-ce que moi, j'ai commencé à me familiariser à ces énergies-là avec les canalisations de Kryon. Voilà. Et moi, la première chose qui m'a énormément aidée par rapport à ça, c'est de savoir que la Terre, c'était OK, qu'on n'allait pas tous mourir. Ça, je suis dans un magasin de livres, j'étais attirée par ce livre-là, je commençais à lire, je suis tombée sur le passage qui disait « Vous n'allez pas mourir, c'est bon, la Terre va ascensionner, vous êtes OK. » Et je me sens que j'étais dans le magasin, j'ai commencé à pleurer, quoi. Oh, yes. Et je me suis dit « Bon, si ça me touche, il faut que je lise. » Mmh. Et c'est comme ça que petit à petit, de fil en aiguille, je me suis familiarisée avec le fait qu'il y a d'autres êtres que sur Terre. Alors au début, j'avais l'impression de vivre dans Star Wars. Yeah. Oui, c'est ce que sont eux sur la « Ah, il y a ça dans Star Trek, il y a ça dans Star Wars. » C'est là « Ah oui, c'est moi, ma vie normale. » Oui, c'est ça. Et puis aussi, est-ce que je suis en train de tout inventer ou pas? Ouais. Et donc, j'ai commencé à suivre un peu par hasard. Je suis tombée sur un type qui canalise régulièrement les acturiens. Et leur texte et leur énergie, j'ai trouvé tellement belle et ça me faisait tellement du bien que je me suis dit, bah, vrai ou pas vrai, je m'en fous. Si ça m'aide à vivre, ben, je garde, quoi. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée sur ta chaîne. Ben, c'était à ce moment-là, justement, que j'avais vu que tu étais en train de canaliser Marie. Et du coup, ça m'a trop parlé. Je me sens que ça m'a trop parlé. C'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai d'abord suivi des canalisations et un peu comme avec ma fille, je me suis dit, oh, j'aimerais trop faire ça, moi, un jour. Et quand j'ai vu que tu faisais des cours, bah, tout de suite, ça m'a... Enfin, je voulais trop le faire, quoi. Ça m'a trop intéressée. Mmh. C'était quoi encore ta question? Donc oui, juste quels sont tes guides que tu canalises et comment ils sont pour toi, enfin, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir ce contact en fait et de canaliser toi-même parce que d'entendre les autres canaliser c'est quelque chose mais quand tu canalises toi-même c'est magique, enfin pour moi c'est magique, c'est genre ça m'ouvre le cœur, ça me coupe le souffle, je suis là waouh. Quel cadeau. Donc je veux savoir comment c'est pour toi. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'amour en fait. C'est beaucoup, yeah. Voilà, c'est ça. C'est quand je me connecte vraiment à eux, c'est vraiment ouais, beaucoup d'amour et beaucoup de. Bah, par exemple, voilà, les acturiens. Une ou deux fois, j'ai commencé par les appeler à l'aide dans des moments difficiles et à chaque fois, ils me faisaient pleurer. Donc c'est-à-dire qu'ils me faisaient, on pourrait croire un peu dans un truc spirituel que les émotions, c'est pas bien, et qui vont les faire disparaître. Mais non, en fait, ils connectent à ça et à chaque fois, ils m'ont... Ouais. Et donc, à chaque fois, ça me faisait pleurer. Et donc, c'est ça qui m'a aussi aidée à vraiment me connecter à mes émotions, à m'ouvrir à mes émotions. Je me suis dit, ah, s'ils me font pleurer, c'est que c'est bon, il faut que je continue. Donc, ça a commencé comme ça. Et alors, ça m'aide aussi à prendre du recul. Alors, ça se fait pas tout de suite, mais souvent, je demande de l'aide. Et puis, genre, quelques minutes après, je réussis à avoir le point de vue avec beaucoup plus de recul et de conscience. Okay. Mmh. Et alors je canalise j'aime bien canaliser Jésus, alors lui c'est toujours beaucoup beaucoup d'amour, ça c'est hyper agréable. Yeah, yeah. J'aime bien du coup les acturiens et eux souvent ils viennent du cœur comme ça. Et alors avec une amie, enfin une personne que j'ai rencontrée du coup avec ta formation, on essaie de se voir toutes les semaines pour canaliser à deux. Wow, ouais. J'adore. Il y a beaucoup Marie-Madeleine qui vient, Gabriel, Raphaël, et puis tant. Oh, ça c'est elle qui s'est connectée. Elle a canalisé un de mes amis.
qui s'était suicidée il y a 7-8 ans. Et c'était super beau. Elle se disait, oh, t'inquiète pas, Marilyn, tout va bien maintenant. J'ai compris, je suis dans la lumière, je suis dans l'amour. Enfin, c'était magnifique. Ouais. Yeah, c'est ça, ça ouvre ce capacité de percevoir nos êtres chers aussi qui sont autour de nous. Il y a les guides lointains, mais aussi les guides des grands-mères, des personnes qui sont parties trop tôt. C'est super beau. Et alors, parfois, je les appelle en séance, par exemple, Marie-Madeleine, quand je fais des trucs sur mon enfant intérieur, souvent, je l'appelle pour venir m'aider. Et je me sens la dernière fois, la personne... Donc, je faisais une méditation par rapport à son enfant intérieur, de nouveau, parce que c'était comme ça qu'on était arrivés. Et je voyais qu'elle bloquait un peu. J'ai appelé Marie-Madeleine à l'aide. Je l'ai imaginée dans mon cabinet. J'ai imaginé qu'elle lui mettait la main sur l'épaule. Et juste à ce moment-là, la personne a commencé à pleurer. Quoi. J'ai vraiment vu qu'elle lâchait et que c'était bon. Quoi. Yes, j'adore. C'est magnifique. Waouh, quel beau travail. Je dirais que ce que ta formation m'a le plus aidée, c'est de me rendre compte que je pouvais et que ce que j'imaginais, c'était pas... Ce que j'imaginais, ce n'était pas d'imagination, en fait. C'était vraiment quelque chose, quoi. Yeah, yeah. Et c'est ça qui est génial. J'en parlais hier. C'est toute seule, si tu laissais avec toi-même, avec, parfois, tu peux te dire, « Ah, c'est juste dans ma tête. » Mais quand tu as quelqu'un en face ou un groupe qui valide ce que tu ressens, en fait, ça te permet de renforcer ce muscle, en fait, cette poids intérieur, et de là ça t'ouvre, en fait, et le plus tu t'ouvres, le plus tu reçois, et c'est ça qui est beau, en fait. Tu es là, ah, j'ai senti cette présence, et tu valides, et dès que tu valides, tu reçois plus d'informations. Donc c'est vraiment ça qui aide avec deux. Je suis super contente que tu fais ça. C'est avec qui tu le fais, du coup? Je sais pas si ça la dérangerait ou pas. Oui, tu me diras après. Tu me diras après. Et aussi, pendant ta formation, le fait d'être en groupe, ça m'aidait énormément à me connecter, en fait. Le fait de faire toute la même chose ou d'être toute focus sur quelqu'un ou le sens que tu sois là, le fait d'être avec des gens qui canalisent aussi, je sens que c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus fluide, et je doute beaucoup moins de ce que c'est mon mental, est-ce que c'est moi, quoi. Et pareil, quand je suis avec cette personne-là, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile à deux de canaliser que toute seule, quoi. Bien, exact. Et tu as quelqu'un qui peut poser des questions, et ça te permet, toi, de rester pleinement dans l'énergie et de ne pas rentrer dans ton mental, en fait, d'être cœur ouvert. C'est ça. J'ai envie je sais pas ce que tu avais préparé, mais je sens vraiment Marie-Madeleine qui est là. Ah, on peut faire quelque chose sur l'enfant intérieur? Ouais, pas de souci. Yeah, ok, c'est tout à toi. Ok. Alors, je vais demander à tous les gens qui me regardent de fermer les yeux et d'imaginer comme s'il y avait une boule de conscience au niveau de leur tête, un petit soleil dans leur tête. Une boule de conscience au niveau de leur tête. Et puis après, une fois qu'ils ont bien ce petit soleil, cette petite boule de conscience, d'imaginer cette petite boule qui descend le long de la tête, qui descend le long de la gorge, qui descend jusqu'à arriver dans la poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et d'imaginer cette petite boule de conscience au niveau du cœur. Maintenant, je propose qu'ils peuvent même mettre une main. Vous pouvez mettre une main sur votre chakra du cœur si vous voulez. Et imaginez qu'il y a votre petite boule de conscience au niveau de votre cœur. Et de poser l'intention de rester bien dans votre cœur pendant toute cette méditation. Alors maintenant, je vais vous proposer d'imaginer que vous êtes dans votre cœur et que, au niveau de votre cœur, vous êtes posé l'intention d'aller rencontrer votre enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez. Et je propose que vous commenciez par le voir un peu comme ça au loin, de voir un peu, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de faire ?
Comment est-ce qu'il est? Quel âge est-ce qu'il a? Petit à petit, vous allez vous approcher de votre enfant intérieur, de votre enfant, de l'enfant que vous avez été. Et vous approchez de lui, et puis lui commence à vous voir. Et comment est-ce qu'il vous accueille? Qu'est-ce que ça lui fait de vous voir? Et je propose que vous vous accroupissiez pour vous mettre à sa hauteur. Si vous le sentez, vous pouvez peut-être lui prendre les mains s'il en a envie. Et que vous lui demandiez de quoi est-ce qu'il a besoin. De quoi est-ce qu'il a besoin là maintenant, tout de suite? Et je propose que vous lui donniez ça. S'il a besoin de réconfort, vous pouvez peut-être le prendre dans ses bras. S'il a besoin de joie, vous pouvez peut-être jouer avec lui. Je propose que vous preniez un peu de temps pour lui donner ce dont il a besoin. Une fois que vous avez fait ça, je propose que vous preniez le temps. S'il y a des émotions qui viennent, surtout, vous les laissez sortir. Vous avez envie de pleurer, laissez-vous pleurer, ça vous fera du bien. Je propose que vous preniez le temps de nouveau lui prendre les mains, de regarder dans les yeux. Et de simplement lui dire. Vous pouvez dire à voix haute, vous pouvez répéter les phrases après moi. Je t'aime. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Je vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Je suis si heureuse que tu sois une fille. Je suis que tu sois un garçon pour les garçons. Tu es le bienvenu ici sur Terre. Le bienvenu ici sur Terre. Et je vais faire en sorte de subvenir à tous tes besoins. Je vais en faire en sorte de subvenir à tous tes besoins. Tu mérites de vivre. Tu mérites d'exister. Tu mérites d'exister. Je t'aime. Prenez le temps de voir ce que ça lui fait de lui dire ces phrases-là. De voir comment est-ce qu'il les accueille. Et si c'est un... Et si c'est un peu difficile pour lui, vous pouvez voir qu'à côté de lui, il y a Marie-Madeleine, dans une belle énergie bleue. Et que... Elle apporte une énergie de réconfort, de consolation, d'amour à votre enfant. Et quelle est la connexion entre vous deux? Et je propose que vous lui dites qu'à partir de maintenant, vous allez le protéger et l'écouter. Vous pouvez lui demander s'il a besoin encore de quelque chose. Et si oui, vous pouvez le lui donner. Vous pouvez lui annoncer que «
que vous allez maintenant petit à petit revenir dans le moment présent, mais que vous gardez une place pour lui dans votre cœur. Vous pouvez lui faire un petit câlin de revoir, mais sachant qu'il n'est pas très loin. Et voir qu'il joue maintenant, qu'il est content. Et que c'est comme s'il y avait autour de lui une bulle, d'abord dorée de lumière, mais aussi une bulle bleue, et qu'il est protégé par votre amour, la bulle dorée, mais aussi l'amour de Marie-Madeleine, qu'il est en sécurité dans votre cœur. Quand c'est fait, vous pouvez petit à petit revenir ici dans le moment présent. Prendre conscience du sol sous vos pieds, de votre main sur votre cœur, c'est mieux toujours. Posez l'intention de revenir. Imaginez que c'est comme si vous preniez un petit ascenseur pour remonter votre cœur vers votre tête, mais en gardant l'intention de garder une conscience de votre cœur et petit à petit, quand vous vous sentez, vous pouvez petit à petit ouvrir les yeux à votre rythme en prenant votre temps. Super. J'ai du mal à revenir. Sorry, j'ai tendance à revenir très vite, du coup parfois je sors de ouais, c'est pour moi d'accompagner la remontée. Non, mais ça c'est bien, moi je fais pareil que toi, mais c'est marrant comme là j'étais accrochée, c'était tellement visuel, j'ai vu, c'était ma petite fille antérieure qui jouait avec des... J'avais, je ne sais pas si tu te rappelles, des œufs Kinder, et il y avait toujours des petits animaux dedans. Ils ne font plus ça, ils ne sont plus pareils, mais il y avait genre toute la famille genre de pingouins ou de différents animaux. Et je me rappelle, je jouais dans les pierres, tu sais, chez nous, et je faisais des cabanes et... Ils avaient tous des maisons et des piscines. Et tu vas dans les pierres, tu vois, je mettais des bols d'eau et je jouais avec ça. Et en fait, je jouais à ça, mais c'était lié au genre, il y en avait un qui était amoureux d'un autre. Et je crois qu'il y avait un peu de honte par rapport à ça, tu vois, que c'était genre amoureux, genre ils s'embrassaient et tout. Et donc, quand moi, je suis arrivée, j'étais là. C'était genre « Ah, laisse-moi tranquille, tu es en train de me déranger. » Et c'est marrant parce que je suis en train de travailler à fond sur les relations amoureuses, tu vois, d'attirer un partenaire sacré. Et c'était comme s'il y avait... En fait, ce que j'ai vu, c'était le besoin d'être validé. Comme si je faisais quelque chose de mal ou que la sexualité était mal ou il y avait quelque chose comme ça qui m'était ou qu'on s'est moqué de moi ou tu vois quelque chose avec mon grand frère et il y avait vraiment ce besoin de le mot qui vient sans arrêt c'est validité, c'est genre c'est ok d'être toi, c'est ok d'avoir ce sentiment, c'est ok d'être gêné même, d'avoir honte ou de, tu vois, d'avoir des sentiments romantiques, même enfant, hein, de ce truc de... Enfin, on voit ça souvent dans les enfants, il y a déjà cette énergie sexuelle, mais qui est mal canalisée ou mal vue. Et donc, c'est ça que je voyais. Donc, c'était assez très intéressant à continuer. Je vois qu'il y a d'autres chapitres, donc très, très... très très bien. Et Marie-Madeleine donc qui est rentrée qui m'a dit, parce que vu qu'on l'associe aussi à la sexualité souvent Marie-Madeleine, même si moi je la vois en tant que mystique, c'est rarement qu'elle vient avec ça, c'est plus Hathor avec qui je travaille avec ça, mais là c'était genre hey, tu as droit d'être une femme sexuelle, tu as droit d'être comme ça, tu as droit d'être qui tu es, tu vois.
Donc, ouais, très, très bien. Merci, merci. Donc, pour ceux qui regardent cette vidéo, vous laisserez un commentaire pour comment vous avez ressenti cette connexion avec votre enfant intérieur. Laissez-nous des informations. C'est toujours génial de lire les commentaires. Et comment ça va vous aider, comment vous allez réutiliser. Donc, savoir que vous pouvez réécouter cette vidéo et le refaire. Moi, je le referai, c'est certain. Donc, Marie-Aline, dis-nous, qu'est-ce que tu as, comment les gens peuvent te contacter ou faire tes formations, ou comment ils peuvent te trouver ou où te trouver? Ils peuvent me trouver sur mon site internet, sur ma page Facebook et sur Instagram. Mon nom, c'est révèle-toi.com. Donc, c'est rêve avec, comme le rêve, avec un accent circonflexe, -L, donc de E2LE, -toi. Ok, super. Bah, je laisserai dans le cas de cette vidéo, donc vous verrez. Et alors, pour le moment, je suis en train de lancer une formation sur la mise en vie. Et donc voilà, on peut déjà s'inscrire. Et alors, la formation ouvrira officiellement ses portes. Donc pour le moment, c'est les préinscriptions, mais la formation ouvrira officiellement ses portes le 8 octobre. Et alors, si après ça, je ferai sûrement un accompagnement en groupe sur l'enfant intérieur, probablement plutôt en novembre. Mais ouais, ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, de faire un accompagnement en groupe sur l'enfant intérieur. Super, ouais, c'est super comme travail. Super. Et les missions de vie, tu peux expliquer un peu ta formation, comment ça se déroule live ou comment... Oui, c'est en ligne, donc c'est des vidéos que j'ai enregistrées. Et c'est, en gros, j'ai fait vraiment la synthèse de tout ce que j'ai fait quand j'étais en reconversion pro, puisque je faisais déjà travailler sur mes missions de vie et tout ça. Donc, j'ai pris un peu, j'avais déjà fait des ateliers, des formations. Donc, j'ai un peu mélangé ça avec ce que j'ai fait avec mes clients individuels. Donc, en gros, c'est des vidéos de formation sur c'est quoi la mission de vie, comment est-ce qu'on fait pour la trouver, et puis après, comment se libérer des blocages et des croyances. Mais donc, c'est quoi la mission de vie, comment la trouver, c'est vraiment de manière très large, quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment de, plus que de trouver ta mission de vie, c'est vraiment de te connecter à qui tu es vraiment, parce que c'est... Enfin, je veux dire, qui tu es vraiment et ta mission de vie, c'est vraiment la même facette d'une même médaille. Donc, ça n'a pas de sens de faire l'un sans l'autre pour moi. Et donc, c'est des vidéos de formation plus des cahiers d'exercices. Donc, c'est ceux justement que je donnais à mes clients, plus des nouveaux, pour vraiment aider à se reconnecter à qui on est. Je voyais vraiment que ça marche bien. Donc, j'utilise beaucoup les neurosciences et la PNL. Oui. C'était deux vidéos de méditation pour se connecter de manière plus avec le cœur, à sa mission, et puis après pour aligner sa vie à sa mission de vie, quoi. Super, ok, voilà. Ben, génial. Bon, on vous laissera tous les contacts en dessous de cette vidéo, donc si tu avais un message de ta mission de vie, de ton âme, de ton magie intérieure pour nous, qu'est-ce que tu aimerais dire, transmettre? Ben, tout simplement de t'aimer comme tu es, mais c'est-à-dire même si tu pleures, tu t'aimes, même si tu es en train de juger quelqu'un, tu t'aimes, même si tu es en train de t'enfuir le gâteau au chocolat, tu t'aimes, même si tu as l'impression que tu as fait, t'as dit quelque chose qui a blessé quelqu'un d'autre, ben tant pis, je m'aime, je m'aime, je m'aime. Et puis en faisant ça, on arrivera à aimer les autres et à dépasser la dualité, parce que c'est ça qu'on est en train, je crois, en tout cas, une des choses qu'on est en train de travailler en ce moment. Mmh. Voilà. C'est fantastique. Merci Marie-Aline, merci à toi d'être avec nous. Et plein de bisous. Et merci pour ta lumière et ton amour que tu émanes dans cette terre et le travail que tu fais qui est divin. Je t'embrasse fort et je te... Merci à toi, parce que ça m'a vraiment aidé de te suivre et de faire la formation, quoi. Vraiment les deux, quoi. Merci beaucoup. Et je me fais aussi tes voyages chamaniques de la Conseil du Féminin Divin. Et pareil, ça m'avait aussi beaucoup aidé. Et je m'étais dit, mais en fait, j'ai fait ça toute ma vie. yes, et on revient à notre essence. Yeah. Donc, merci beaucoup à toi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, merci. Bah, avec grand plaisir. gros bisous. Et tous ceux qui regardent, laissez-nous un commentaire pour Marie-Aline, comment vous avez aimé cette interview, si vous voulez que je fasse d'autres interviews de ce style. Avec d'autres porteuses du féminin divin, et
et laissez-nous un like, partagez avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Donc, gros bisous.